particulièrement aimé la série Bates Motel. Il s'agit d'une série télévisée américaine créée par Carlton Cruise, Kerry Erin et Anthony Cipriano et diffusée de 2013 à 2017. You're new. When did you move here? Last night. Do you have a girlfriend? No, just me and my mom. This is our chance to start over. Maybe some people don't get to start over. What do you think? This is crazy, Mom. We own a motel, Norman Bates. Il s'agit d'une préquelle au film Psychose de Alfred Hitchcock. L'adolescent Norman Bates et sa mère Norma emménagent dans la petite ville de White Pen Bay, dans l'Oregon. Ils y ont acheté un motel pour prendre un nouveau départ, après la mort du père de Norman. La série traite du rapport fusionnel pathologique entre la mère et le fils, et la dérive psychotique du jeune Norman, atteint de troubles dissociatifs de la personnalité, jusqu'à devenir le tueur en série que l'on connaît. Elle met en scène un adolescent timide, cultivé et poli, mais inadapté. Et une mère excessivement possessive et manipulatrice, elle-même perturbée par un passé trouble et traumatique. On retrouve également des habitants de la bourgade qui interagissent avec les protagonistes pour se diriger inéluctablement vers un dénouement tragique. En transposant l'intrigue à notre époque, malgré de nombreuses références visuelles aux années 50, la série s'attaque à un monument du cinéma, pari audacieux et risqué. Tout y est mis en œuvre pour relever ce défi. Une écriture ciselée du scénario, une réalisation soignée, un casting méticuleux nous montrant des acteurs soucieux de servir une histoire glaçante avec talent et justesse. Tant les rôles principaux que secondaires. Elle nous plonge dans une histoire terriblement malsaine, avec des intentions qui, elles, ne le sont pas. La noirceur y est autant psychologique, faite de relations incestueuses, manipulations et traumatismes incurables, que sociologique, décrivant une société violente, hypocrite et cupide, sans pour autant complaire un voyeurisme sadique et cynique tellement à la mode. La lumière transperce par moments dans un paysage ténébreux, nous rendant presque sympathiques des personnages pourtant terrifiants. Et comme dans une tragédie, de puissantes forces souterraines laissent peu de chances de salut aux êtres qu'elles emportent. Ça vous tente? Vous pouvez retrouver tous les DVD de la série à la vidéothèque de la BU.